find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing partenariat avec la société Globeland. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je suis trop contente, trop contente, trop contente. Donc, dans un premier temps, j'ai pris ce lot de tampons. Toujours aussi bien emballé, donc il n'y a pas de souci. Alors, je suis désolée parce que ça va faire du bruit. Je vais prendre une feuille blanche pour vous montrer les tampons. Je vais essayer de vous les ouvrir de façon à ce que vous n'ayez pas le reflet aussi. Je ne sais pas si vous avez le reflet du plastique. Donc dans ce lot, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et c'est surtout pour celui-là que je l'ai pris, parce que je l'aime beaucoup. Alors du coup, je vais vous montrer le premier. Bon, alors du coup, on peut pas vous donner les codes barres parce qu'ils sont cachés. Parce qu'à mon avis, c'est parce qu'ils ne les vendent pas à l'unité. Ils ont dû les avoir, mais ils les ont plus. Du coup, alors attendez, je voudrais regarder un truc avant d'ouvrir ceci. Je reviens. Du coup, j'ai été me chercher un album de chez Action. Il va falloir que j'en rachète parce que c'est le dernier que j'en ai plus. Alors, voilà, on va attendre que ça sèche. Hop là. Et du coup, le premier, je vais vous le sortir du plastique. Ah, il y a encore un plastique qui risque pas de s'envoler. Je vais garder la cartonnette. Et voilà. J'aime beaucoup. Vous voyez, il y a des petits oursons là. Là, il a un petit volant parce qu'en fait, vous pouvez venir mettre les petits sujets ici. Et franchement, je le trouve trop beau. Et rien que la voiture toute seule, de toute façon, je sais pas si vous voyez bien. Si, attendez. Rien que la voiture, oupsie. Rien que la voiture toute seule, je l'aime beaucoup. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier. On le rangera après, hein. C'est pas grave. Mais j'ai sorti tout de suite un album. Le deuxième, pareil, emballé dans du plastique. Moi, je les enlève façon des plastiques. Les plastiques, je les mets dans ma poubelle, mais en réalité, je vais aller les récupérer. Quoique, non, j'en ai pas besoin, je les jette. Du coup, là, vous avez tout ce qui est un peu école, vous voyez, avec la maîtresse, le maître, les enfants, les petits bouquins avec la pomme, les livres et le cartable. Et le petit carnet de notes, le petit carnet de notes, on peut noter dessus. Et puis, ben, plein de petits mots comme ça. Donc, j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'aime énormément. Voilà. Ensuite, le troisième. Ils sont tous mignons. Des chiens. Voilà, des chiens, peu importe. Voilà, vous avez plusieurs races de chiens. Ici, vous avez un truc incendie, une... je sais plus. Bouche à incendie, mais bon, un poteau d'incendie, voilà. Des pattes, des petites balles et tout, des os. Des os. Un os, des os. Ensuite. Encore des animaux. Alors, vous avez un petit cerf, un bibifoque, mais ça, c'est plus un éléphant de mer, je crois. Et une espèce de licorne dauphin. Ouais. Un renard, un ourson et un lapin. Et un bonnet que vous pouvez mettre là. Et avec un masquage, vous pouvez mettre le bonnet à tout le monde en fait. À tester. J'aime beaucoup.
Ici, vous avez encore les cols. J'aurais dû les enlever des plastiques avant, j'en suis désolée. Je vais enlever cette feuille parce qu'elle me gêne. Voilà. Du coup, ici, vous avez la maîtresse école, le maître. C'est le même, ben, vous voyez, c'est le même style de maîtresse, en fait. Voilà. L'ampoule, les cahiers, la règle, l'équerre, l'étagère avec les livres, les petites punaises et les trombones, et encore des livres. Ici, vous avez le tableau. Et le mot thank you, à l'intérieur, n'est pas attaché au cadre. Donc, royal. On peut s'en servir pour autre chose. Ça, c'est tout. Ensuite, je vais juste garder la cartonnette. Des globes, j'en ai déjà plein. Ça fait longtemps que j'avais pas eu de partenariat avec eux. Et quand ils me l'ont reproposé, là, j'étais trop contente. J'étais trop contente. Faut que je fasse des vidéos. Donc, on fera des vidéos de créa avec les tampons. Et puis, ben, la chose d'après. Donc, là, vous avez un pot. Pareil, le criquet qui est dans le pot n'est pas accroché. Par contre, le reste, oui. Là, vous avez les petites abeilles, un escargot, un petit verre de terre. Vous voyez bien parce que j'ai du mal aujourd'hui. Je vois pas grand chose en vérité. Des petites coccinelles, des papillons, abeilles, je sais pas, petit ver de terre, petite chenille, pardon, des feuilles, et puis ben, plein de mots. Mais comme je ne sais pas ce que ça veut dire, il va falloir que je traduise. Celui-ci. J'ai encore des trucs à faire. J'ai plein de vidéos en tête là qu'il faut que je fasse. Et ben, comme on est vendredi, et ben voilà, qui dit vendredi dit vidéo, puisque je ne travaille pas le vendredi après-midi. Voilà. Donc celui-ci, vous avez, c'est la fête foraine, regardez. Et les jeux. Donc là, vous avez une petite cahute, vous pouvez le mettre derrière en faisant un masquage. Un petit renard, un petit pingo, un nounours, un ballon, des glaces, des arbres, nana, ça c'est les manèges que vous pouvez peut-être coller là-dessus, je sais pas. Ici c'est une, comme le grand 8 là, des ballons, comme une éolienne là, et puis plein de mots, tickets, game, food, Have a ready, amazing birthday, woohoo, you won the award. Sometime you gotta roll with it. Je trouve c'est trop mignon. J'essaye de parler English. Je suis une nulle pour parler English. Mais on fait avec. La cartonnette, Rachel, la cartonnette. Mais j'ai hâte de tester les produits, donc ben, je vous dis pas, je suis toute chose, hein, parce que j'adore recevoir des nouveaux produits. Et des petits chats, des petits chats, regardez s'ils sont beaux. Je suis dans sa bouée, avec là il essaye de choper un poisson rouge, là je sais pas, il est allongé, là il est assis. Là, il est en train d'essayer d'attraper une souris, sa petite bouffe, son petit panier, un tapis. Il y a plein de choses à faire. Bon, c'est vrai que je ne serai pas beaucoup ce genre de petit bazar, mais j'adore ça. Donc, et puis, ben, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein, donc, je peux très bien en faire. Et le dernier de tampon de cette catégorie, hein, parce qu'il y a d'autres trucs. Je fais... Hop. Là encore des petites souris, un singe, un éléphant. On dirait plus anniversaire. Ben, pas plus, hein. C'est anniversaire là pour le coup, puisque vous avez le gâteau d'anniversaire. Happy birthday to you. Wish to you. I hope your day is full of surprises. Parce qu'il y a un S à la fin. Donc du coup, vous avez la petite souris, le petit chat, l'éléphant, le petit singe, la petite souris, la girafe, le hérisson et le nounours avec les cadeaux. Je trouve ça trop choupi.
Voilà. En plus, je vais essayer de faire des cartes un peu animées, là, que ça bouge et tout. Donc, à voir. Et puis, avec, je vous rappelle que j'ai encore ces petits trucs-là. Donc, pour mettre dessus, pour faire avec des petits sujets comme ça qui bougent, ça peut être rigolo. La deuxième chose que j'ai pris, c'est un set comme ceci. Alors, ça va vous rappeler un peu les sets qu'on a eu chez Action, mais que des pochoirs. Là, vous avez, je vais vous montrer, c'est un super set. D'ailleurs, je dis pas que je vais pas en recommander chez eux parce que franchement, c'est trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Vous avez les fleurs de Tiare, je crois que ça s'appelle. Donc, les fleurs un peu des îles, là. Elles sont magnifiques. Je les trouve trop, trop belles. Je vais vous les sortir parce qu'il y a les reflets. Ah, bien, il y a encore un plastique. Allez. Donc, vous avez le tampon qui est là. Avec les feuilles, elles sont trop belles. Ça, on va coloriser. Ça va être super sympa. Mais pour le coloriser, du coup, je vais avoir les pochoirs qui vont avec. Donc, vous avez le lot de pochoirs. Je vais essayer de ne pas l'abîmer parce que je voudrais remettre dedans. Je vais mettre dans le grand sachet. Ça, c'est j'emporte. Du coup, vous avez le pochoir, vous tamponnez votre truc et vous venez y mettre les pochoirs. Regardez, là, vous avez les feuilles. Je sais pas si vous voyez bien. Peut-être une feuille noire, ce serait peut-être mieux. Voilà, vous avez les pochoirs, donc les feuilles. Et là, vous avez commencé à voir la fleur. Et avec le numéro, donc vous savez dans quel sens vous devez le faire. Ça c'est pour les feuilles. Donc voilà, vous êtes pas, il n'y a pas de problème majeur, c'est pour les feuilles. Ensuite, vous avez le 2, comme ceci. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez faire vos fleurs. Le 2, le 3, 4. Et celui-ci, qui doit être le dernier, je présume, puisque il n'y a pas de numéro. Ah si, non, c'est le 1, celui-là. C'est celui-là. Ça, c'est le 1. 1. 2. Excusez-moi. 2. 3 et 4. Voilà. Mais on fera un essai. Voilà. Avec ça, pour les feuilles. Vous avez donc la planche de tampon. Voilà. Et il y en a plein d'autres sur leur site. J'ai pris ça parce que c'est une des fleurs que j'aime bien. Donc voilà, j'aime bien les fleurs. Les fleurs des îles comme ça, je sais pas ce que ça s'appelle, les fleurs de Tiare, mais je suis pas sûre. Et puis là, vous avez les matrices. Voilà. Donc vous avez les fleurs, les feuilles. Et franchement, c'est trop bien. Je suis trop contente. Et vous avez du coup. Je vais vous montrer. Du coup, vous avez la grande fleur, vous avez cette fleur là, vous avez cette fleur-ci ici, vous avez celle-ci, vous avez la petite qui est là, la grande qui est ici, et vous avez les feuilles. Voilà. Et puis ben là, vous avez les petites feuilles. Vous avez des petites feuilles comme ça que vous pouvez couper soit où c'est colorisé ou soit juste en couleur. Et de toute façon, je vais faire une vidéo là-dessus. Parce que c'est cool. Ça, celui-là et celui-là. Voilà, vous avez toutes les pièces. Et elles sont numérotées d'ailleurs. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc ça, c'est cool, c'est cool, c'est cool. On va tester d'ici peu. Ensuite, je sais plus combien j'avais droit chez la blonde. Mais j'ai tout utilisé ce qu'il m'avait proposé. Je me rappelle plus combien. Je pourrais plus vous dire parce que je m'en souviens plus. Voilà. Ensuite, j'ai pris une des matrices de coupe. Ceux-là. Que je trouve juste trop, trop beau. C'est pour faire. Je vais vous le sortir. Voilà, il y en a deux lots.
vous avez ceux-là. Voilà, il faut juste que je reprenne une pince pour enlever ce morceau. Voilà, qui fait 15 sur 6,5. Celui-là, il fait 5,5, 5 sur 14. 12,5 par 4. 11 par 3. Et la dernière pour l'étiquette au plus grand, 10 sur 1,5. Ça, c'est royal. Je l'ai détaché, bien sûr. Et les mêmes tailles pour celui-ci. Mais pas du tout la même forme. Là, vous avez un rectangle où c'est embossé à l'intérieur. Mais je ferai les découpes. De toute façon, je vais faire un tuto et des trucs avec. Parce que, franchement, ils sont trop beaux. Par contre, j'ai vais avoir du mal à enlever les morceaux. C'est ce que je reproche. C'est de pouvoir enlever les petits bouts de métallique. Ça, c'est un peu la galère à enlever. Quand ils sont en extérieur de la découpe, c'est pas gênant. Mais quand ils sont à l'intérieur, c'est un peu chiant. Mais, hop. Vous voyez, j'ai toujours un qui reste. Il va falloir que je le vois pour l'enlever. Hop. Bon, je vais vous présenter le dernier truc. Ça, on refera les découpes. Du coup, ça vous fait combien de dice? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Non, ça va pas. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben, si, c'est ça. 11 dice. 11 dice dans ce lot. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. Et je les trouve beaux. Bon, je les remettrai après. Je les trouve très beaux. Donc, 11. Et pour finir, j'ai pris 7 perfos. Alors, 7 perfos, j'ai déjà le même style avec une autre marque. Enfin, j'ai pas le même style. Oui, si, si, j'ai le même style avec une autre marque. Sauf que, au niveau des tailles ici, elles sont ici, là, c'est beaucoup plus petit. Donc, on va l'ouvrir. Donc c'est en inch. J'ai pas gardé l'emballage. Je vous montre le code barre au cas où. Il est là. Voilà. Donc chez Blablabla. De toute façon, vous allez avoir le lien de mes achats en barre d'infos ainsi que leur site et certainement un code promo. Du coup, je vais prendre une feuille. Hein. De toute façon, j'ai une chute là. Donc, il me faut une chute d'un inch et demi. Un inch et demi, deux et deux inch et demi. Alors, un inch et demi. Un inch et demi, c'est ici. Hein. Oui, je sais, c'est l'ancien massico de chez Stampin'Up. Je sais. 1 inch et demi, 2 inch, 2 inch et demi, on est pas mal, hein, on est un peu trop court. Je vais en reprendre un autre, j'ai pas une autre chute qui traîne, je regarde. Je dois avoir des chutes quelque part là. 2 inch et demi. Voilà. Hop. On va prendre la perfo. Donc vous voyez bien, je vais la mettre comme ça sur le côté. Donc vous voyez ici, il y a des encoches. Il y a 1, 2 et 3. Donc, vous prenez la plus petite que vous venez mettre ici. Donc, c'est la 1 inch et demi. Vous voyez, ça rentre bien. Ça bouge pas.
ou de pencher. Et regardez cette beauté. Vous avez déjà, en plus, vous pouvez faire ça. Et là, vous pliez en deux et vous avez une double étiquette. Parce que c'est bien les matrices de coupe pour faire des, comment ça s'appelle, les tags. Mais c'est tellement plus rapide avec une perforatrice. Là, vous rentrez 2,5 inches, donc je vous montre. Vous voyez, ça rentre bien si vous... Si vous respectez la taille. Ah, j'ai fait quoi. On va le mettre là. On va recommencer. J'ai fait de la mouise. Je l'avais mis de côté. Donc on le cale bien sur le celui-là, là. Sur celui du milieu. Et vous appuyez. Et voilà. Oh, regardez. Bon, là, on n'en tient pas compte, je l'avais bougé. Hop. On va pas les jeter, hein. Vous savez maintenant que j'utilise ce que je fais. Hein. Hop et hop. Et je fais là 2,5 inches. Donc vous le calez là. Voilà. Franchement. Alors, on va prendre une autre couleur. Je voudrais voir un truc. Est-ce que j'ai une chute? Ouais, du coup, s'il me faut... Donc là, c'est 2,5. Je vais prendre une taille de 2 inches. Du coup, 2 inches. Donc c'est celui du milieu. Pas se planter, hein. Voilà. Regardez, si vous le mettez par-dessus, vous avez votre un bord, machin. Ouais, ça va être trop bien. Donc, ben, c'est tout vu. Je vais faire une créa avec d'ici peu parce que je suis fan. Je sais pas ce que vous en pensez. En plus, on peut faire plein de trucs parce que celui-là, vous le prenez. Vous pouvez faire un tag shaker, du coup. Vous pouvez faire un tag shaker. Vous pouvez là, bah avec ça, du coup, bah vous pouvez faire un tag aussi bien décoré. Ouais, non mais je vous jure, bon là j'ai pris blanc, mais je prendrais peut-être plus clair pour le plus petit. Pour faire un... Ouais. Non, mais c'est bon, j'ai plein, ça fuse. J'ai plein d'idées là qui me viennent en tête. Donc voilà. Donc la super perfo pour faire des tags, elle se présente comme ça en dessous, c'est sympa. Et puis ben je vous dis, c'est tellement plus pratique et tellement plus rapide. Donc encore une chose qui va rester maintenant avec ma punchboard later. Donc ben voilà, ça, les dies, les 11 dies comme ça. Vous voyez, vous prenez, je sais pas moi, ça. Vous prenez le dies, un chouïa plus petit que vous venez mettre ici, et vous avez un tag vintage. En fait, vous le creusez, vous venez mettre un rhodoïde derrière, vous recoupez un deuxième tag de la même longueur que vous venez creuser aussi, que vous collez comme ça. Ça fait soit vous le faites en shaker, soit vous faites un rhodoïde et vous venez coller des trucs dessus, et ça peut rendre vraiment très joli. Mais on fera un tuto comme ça, ben vous verrez. Pour avoir des petits tags tranquilles. Donc j'ai pris la perfou, les dies, le lot de tampons et ce lot de tampons avec pochoir. Voilà. Ben écoutez, moi j'espère que ce unboxing Globland vous aura plu. Vous allez retrouver en barre d'infos tous les liens pour accéder à mes achats, ainsi que un code promo, je pense. Il faut que je vois avec eux pour qu'ils me l'envoient parce que je ne l'ai pas encore eu. Et puis voilà, puis ben écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.